en présence d'Alexis Pratt, le driver de Canary Match, qui courait dernièrement à un niveau inférieur. Que vous pensez de sa course ? Le cheval courait bien, une bonne réduction kilométrique. Il s'est trouvé derrière Barrio Josselin qui n'avait plus trop de ressources. Donc il n'aurait pas été très inquiétant, mais il aurait pris une meilleure allocation. Bon là, c'est un prix de Bourgogne, préparatoire à l'Amérique. Ouais, on est contre des chevaux qui sont bien meilleurs que nous, donc il ne faut pas trop rêver quand même. C'est surtout pour se faire plaisir. Ouais, voilà. Et puis le cheval, sinon, ça le fait un mois sans courir parce qu'il a un semi classique dans pas longtemps. Donc un mois, c'est trop long. Il va recourir proprement entre temps. Par contre, il bénéficie d'un numéro très favorable, le 10, derrière Timoko. Ouais, et puis en plus, lui, c'est un cheval qui démarre très bien, qui a une très bonne mise en jambe derrière l'Autostar. Donc il peut être très bien placé tout de suite. Bon, 7ème, ça serait déjà très bien, Alexis. Oh oui, s'il prend une part dans le quintet, on serait très heureux.